Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs du public, la séance du Conseil municipal, installation du nouveau Conseil municipal de Gradignan, séance du 25 mai 2020, est ouverte. Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'ai le plaisir de vous accueillir à l'hôtel de ville de Gradignan pour cette première séance d'installation du conseil municipal du 15 mars. J'ai donc le plaisir de vous accueillir à l'hôtel de ville de Gradignan pour cette première séance d'installation du conseil municipal issue du scrutin du 15 mars dernier. Vous vous en souvenez? Notre séance d'installation était initialement prévue le 20 mars, mais le confinement général décrété le 16 mars dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 nous imposait de différer cette installation sans précision de date. Durant les 8 semaines de confinement général, nous nous sommes attachés à permettre la continuité des services publics. L'aide aux personnes fragiles en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leur handicap, la bonne tenue de l'espace public, la sécurité au quotidien dans les commerces et les services. Grâce à toutes les mesures préventives, notre ville a passé ce cap en toute sécurité, avec équilibre et bon sens. Je veux en remercier les habitants et tout particulièrement les agents de la ville, dont l'engagement et la disponibilité exemplaires, sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Services, ont permis de vivre au mieux dans les écrins naturels qu'offrent les parcs et jardins de notre ville. C'est précisément ce cadre naturel que nous avons choisi pour installer le nouveau conseil municipal. Pour des raisons sanitaires d'abord, car cette réunion en extérieur nous évite un confinement dans une salle qui, avec les meilleures protections possibles, serait de moindre qualité. Ensuite, pour des raisons d'ouverture et d'accessibilité sécurisée pour les habitants qui reprennent progressivement une vie professionnelle et sociale, sinon proche de la normalité, mais pour le moins avec de nouveaux réflexes, pour ne pas donner prise à la relance de l'épidémie. À cet égard, l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 11 juillet, ne peut pas et ne doit pas mettre sous le boisseau la permanence de la vie démocratique et la participation du public. Pour des raisons de culture locale et d'hommage aux espaces naturels de la ville enfin, issus d'une volonté permanente, inlassable et obstinée pour offrir aux habitants et à leurs familles une qualité de vie élevée et donner un jardin à ceux qui n'en ont pas. Précisément donc, c'est un conseil municipal au jardin, dans la ville jardin, dans ce parc prestigieux du parc de Lorenzane, à 2 pas du vignoble du Château Poumaï, qui va être installé ce soir. Confinés au cœur des parcs de la vallée de Lobourde, c'est naturellement que nous nous y installons à l'aube de 6 années d'un nouveau mandat municipal. Je vais rappeler quelques textes réglementaires maintenant, puisque la loi du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a instauré un mécanisme d'information à l'attention des élus du premier tour, dont l'entrée en fonction a été différée, stipulant notamment qu'ils n'exerçaient pas encore leurs prérogatives afférentes au mandat électif. Ainsi, les assemblées délibérantes élues en 2014 et leurs exécutifs voyaient leur mandat prolongé jusqu'à la prise de fonction des nouveaux conseillers municipaux. Cette loi prévoit que pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, le fonctionnement des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements soit adapté, notamment en matière de quorum, de procuration et de modalité de vote, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, le 10 juillet prochain. En application de l'article 1er du décret 2020-571,
Les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales, c'est notre cas, et communautaires organisés le 15 mars, entrent en fonction le 18 mai 2020. Nous sommes donc en fonction depuis le 18 mai. La première réunion du conseil municipal, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire et des adjoints, se tient de plein droit au plus tôt 5 jours et au plus tard 10 jours après la date de l'entrée en fonction, soit entre le 23 mai et le 28 mai inclus. Le conseil scientifique, dans son rapport du 8 mai, a recommandé que la durée de la réunion soit limitée, ce sera le cas, et donc que l'ordre du jour de la première réunion soit réduit autant que possible à l'installation du conseil municipal. C'est donc dans ce contexte que le conseil municipal est public, compte tenu de l'espace dont nous disposons, mais également retransmis en direct sur Internet. Je veux saluer ici, en mon nom et ceux de mes collègues du conseil municipal, l'ensemble des internautes gradiennaises et gradiennais qui nous suivent en direct ou qui regarderont ultérieurement cette séance du conseil municipal d'installation du 25 mai 2020. Je vais à présent vous donner lecture des résultats selon le PV de l'élection du 15 mars 2020 afin de déclarer installer le conseil municipal. Nombre d'électeurs inscrits, 17 002. Nombre de suffrages exprimés, 6 579. Nombre de voix obtenues pour chaque liste de candidats. La liste Aimé Gradignan et la vie qui va avec, conduite par Michel Labardin, 4 764 voix, soit 72,41%, attribution de 31 sièges. La liste Gradignan, le tournant économique et social, conduite par Agnès Destriau, 1815 voix, soit 27,59%, attribution de 4 sièges. Sont donc élus conseillers municipaux. Monsieur Labardin Michel, Madame Roux Labatte Karine, Monsieur Latour Jean-Bernard, Madame Burbeau Annie, Madame Jardry Isabelle, Monsieur Larue Vincent, Madame Ortola Stéphanie, Monsieur Gonzalez Ricardo, Madame Soukari Sana, Monsieur Fabia Gérard, Madame Morin Valérie, Monsieur Lécuyer Fabien, Monsieur Daccord Rémy, Madame Palacios Toumi Vanessa, Monsieur Beauté Philippe, Madame Beaumont Christine, Monsieur Le Marchand Nicolas, Madame Rivinque Claire, Monsieur Beauté. Madame Degère Josiane, Monsieur Bourdon Ludovic, Madame Alioum Yasmine, Monsieur Drouet Thierry, pardon, Madame Egitchoussi Anne, Monsieur Delhomme Olivier, Madame Alain Rodin Dominique, Monsieur Balcon Guy, Madame Sirouk Stéphanie, Monsieur Théo Jean-Jacques, Agnès, Monsieur Rousseau Pascal, Madame Curado Balu Judith, Bergès Étienne. Voici la liste donc des 35 conseillers municipaux. De plus, la ville de Gradignan, disposant de 3 sièges sur 104 au conseil de Bordeaux Métropole, ont été élus conseillers métropolitains. Monsieur Labardin Michel, Madame Roux Labatte Karine, Monsieur Trouche Jean-Marie et suppléante Madame Rivinque Claire. J'adresse mes félicitations à tous les nouveaux élus. Je souhaite à nouveau la bienvenue au public qui est venu nous rejoindre ce soir. Il nous faut tout d'abord désigner un ou une secrétaire de séance. Je vous propose de désigner la conseillère municipale la plus jeune, à savoir Madame Tiffany Sirux, comme secrétaire de séance.
et nous devons voter. Donc nous votons pour la désignation de la secrétaire de séance à la personne de Madame Tiffany Siroux, qui est pour. Voilà, généralement, c'est lui. C'est, je le dis à chaque mandat, c'est généralement l'élu qui fait le plus l'unanimité. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire sous la présidence de M. Ricardo González. Conformément à l'article 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales, je dois maintenant donner la présidence au plus âgé des membres du conseil municipal. Il en faut bien, mon cher ami, à savoir M. Ricardo González, afin de procéder à l'élection du maire. Conformément aux dispositions de l'article 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret, ce qui implique que cette réunion d'installation ne puisse être organisée par téléconférence. Pour votre information, le vote a lieu au scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés pour les deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. Je donne donc la parole à M. Ricardo González, monsieur le secrétaire de séance, si vous voulez bien conduire la réunion. Pas le secrétaire, le président de séance. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Conformément à l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, Michel Labardin, maire sortant, m'a donné la présidence comme doyen d'âge de notre assemblée afin de procéder à l'élection du maire. Je vous propose, afin de limiter les risques sanitaires, la procédure de vote suivante. Pour éviter de vous déplacer et de vous croiser, les bulletins de vote vont vous être distribués et ensuite vous effectuerez votre vote à bulletin secret par dépôt dans l'urne qui vous sera présentée, tout en restant à votre place. J'effectuerai ensuite le dépouillement et le comptage des votes à haute voix sous le contrôle de notre secrétaire de séance qui n'aura pas à toucher les bulletins sans qu'il n'y ait d'autres assesseurs. L'article 1er de l'ordonnance numéro 2020-562 du 13 mai 2020 prévoit que pour l'élection du maire et des adjoints, le quorum est abaissé à un tiers des élus, mais que seuls les membres présents sont comptabilisés. Ces membres présents peuvent toutefois être porteurs de deux pouvoirs. Le quorum ainsi défini étant atteint, je demande aux membres du conseil municipal quels sont les candidats aux fonctions de maire. Il y a d'autres candidatures ? Non. Monsieur Labardin, je vous donne la parole. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je me tiens debout pour pouvoir voir tout le monde. J'ai l'honneur de vous présenter ma candidature à la fonction de maire de Gradignan. Celle-ci, cette candidature s'inscrit dans la continuité du résultat électoral du 15 mars dernier. La liste que j'ai eu le plaisir de conduire et l'honneur de conduire, aimer Gradignan et la vie qui va avec, en effet, a obtenu une très forte et très encourageante majorité, obtenant 72,41% des suffrages exprimés. Mes colistiers et amis sommes extrêmement reconnaissants envers les électrices et les électeurs, dont la confiance massive est un gage pour l'avenir afin de mettre en œuvre le programme sur lequel nous avons été élus. Je souhaite maintenant, à la fonction à laquelle je me porte candidat, engager sans tarder la ville de Gradignan dans les évolutions les plus favorables, reposant sur son socle naturel exemplaire, sa vitalité sociale, ses évolutions urbaines maîtrisées et son lien renforcé avec les territoires métropolitains. Je remercie les élus de la majorité pour leur confiance, leur solidarité et leur engagement pour notre ville et assure à toutes et tous que les engagements pris ensemble seront tenus. Mes chers collègues, au moment du vote, je vous remercie de votre confiance.
S'il n'y a pas d'autres candidatures, je vais demander à Madame Destriot si elle a une déclaration à faire. Alors, on va passer aux opérations de vote et procéder à l'élection du maire. Je vous demande de bien vouloir remettre votre masque, car nous allons distribuer les bulletins de vote. Je vous demande maintenant de bien vouloir déposer votre bulletin de vote dans l'urne qui va vous être présentée et de signer avec votre stylo la liste d'émargement.
ça fait du bruit. Hein. Oui, je demande à la secrétaire de séance, Madame Sirou, de se placer à mes côtés pour le dépouillement. Nombre de votes, 35.
Labordin. Michel 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 Labordin. Blanc. 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 Michel Labordin. Quatre votes nuls, 31 votes exprimés. La majorité est à 16. Donc, Monsieur Michel Labordin, 31 voix. Monsieur Michel Labordin ayant obtenu 31 voix, est donc élu maire de Gradignan. Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous remettre votre écharpe tricolore, symbole de votre fonction. Et jamais aussi. Merci. Ok. Madame Karine Roux-Labatte a demandé la parole. Monsieur le maire, au nom de toute votre équipe de campagne et de l'ensemble du groupe majoritaire, je tiens à vous adresser nos sincères félicitations pour votre élection. La confiance renouvelée des habitants de Gradignan pour la liste Aimer Gradignan et la vie qui va avec nous honore profondément. Outre l'adhésion au programme proposé, cette confiance renouvelée vient consacrer la reconnaissance du travail important accompli sur la dernière mandature. Comme l'a si bien rappelé mon collègue Daniel Ickel il y a 6 ans, le mandat d'élu local et de maire en particulier est exigeant par rapport à l'importance des fonctions et de la charge conférée. Je rajouterai que ce mandat passionnant est aussi fait parfois de moments difficiles, car la vie publique n'est pas toujours tendre. La crise sanitaire que traverse notre pays démontre à nouveau, pour ceux qui en douteraient encore, l'importance du maire dans l'exercice de son mandat de terrain. Monsieur le maire, votre équipe et tous vos électeurs savent qu'ils peuvent compter sur vous pour relever les défis de la fonction. Ils peuvent compter sur votre détermination et la puissance de votre engagement au service des habitants de notre ville. Monsieur le maire, votre réussite et celle de vos colistiers
s'est nourri d'un programme et d'une équipe. En effet, aimer Gradignan et la vie qui va avec, c'est d'abord un programme de mandature qualitatif, construit à la lumière d'une proximité omniprésente avec les habitants. À chaque ligne de notre programme, on a cherché à se mettre à l'écoute des attentes manifestées par les habitants. Ces habitants qui nous demandent de prendre en compte les questions environnementales dans nos modes de vie collectifs, que ce soit sur les espaces naturels, la mobilité ou encore le lien social. Le défi d'un programme, c'est de ne jamais perdre de vue le cœur de mission de l'élu local, qui est d'apporter des réponses concrètes à chacun, en tenant compte des contraintes générales, pour rester garant de l'intérêt collectif. Monsieur le maire, votre réussite et celle de vos colistiers, c'est l'addition efficace de personnes pleines d'énergie, de cohésion et d'enthousiasme. Vous avez formé un groupe qui a su passer son premier grade et devenir une équipe. Si certains parmi vous vous voient comme un chef de cœur sensible et respectueux des nuances de chacun, pour d'autres, vous êtes plutôt un général en campagne, incitant à en croire à sa mission et à vouloir la réussir. Dans tous les cas, vous avez su insuffler à notre équipe un style basé sur des valeurs qui vous sont chères, l'élégance et le courage. Dans notre équipe, nous avons appris de nos complémentarités, gagnant ainsi en respect et en ouverture d'esprit, pour aller mieux à la rencontre des habitants, solliciter leur point de vue et avoir quelquefois des échanges enflammés, mais toujours en gardant à l'esprit que le summum de cette élégance, c'est l'humilité et la sobriété. Humilité et sobriété, car à chaque campagne électorale, on met son courage sur la table et on apprend ou on réapprend à être un élu local. Pour ce qui est du courage, les longues soirées de porte à porte, parfois pluvieux, mais toujours heureux, ont mis notre vaillance à l'épreuve. Mais cette expérience de campagne a permis de faire grandir la conscience de la responsabilité de représenter sa commune. Nous avons souvent trouvé de la satisfaction et de la bienveillance chez les habitants rencontrés, et loin de nous l'idée de nous en contenter, nous n'aurons de cesse que de rester à l'écoute des désirs et des besoins des Gradignanais. D'ailleurs, à ce stade, il me semble indispensable de rappeler que la satisfaction des habitants ne peut s'obtenir que par la seule cohésion d'une équipe municipale, aussi importante soit-elle. En effet, rien ne serait vraiment satisfaisant sans le concours engagé des agents des services de la ville. Rien n'est vraiment possible sans la finesse et l'efficacité d'un directeur général des services, dont nous avons la chance de bénéficier à Gradignan. Monsieur le directeur général des services, le moment est solennel et le propos peut être inhabituel, mais je ne sais pas si j'aurai d'autres occasions de vous exprimer notre gratitude et mon admiration. Avec vous, et comme l'a dit André Gide, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. À l'écoute et rassurant, loyal et efficient en toutes circonstances, vous incarnez toutes les valeurs du service public. Avec Michel Labardin, tous les colistiers de la liste Aimé Gradignan et la vie qui va avec sont particulièrement fiers et honorés de la mission qui leur a été confiée par les habitants. Chacun d'entre nous a pleinement conscience de cette responsabilité et ressent une envie profonde de mettre en œuvre les engagements de notre programme. Pour les 6 ans à venir, c'est l'attachement profond, c'est l'amour de notre ville qui portera notre action collective. Et c'est ensemble que nous ferons en sorte que Gradignan continue d'être envié à travers toute la métropole et à faire la fierté de sa population. Pour ce faire, monsieur le maire, chers collègues, je nous souhaite un travail en bonne intelligence avec la minorité municipale et à l'image de notre campagne, une mandature heureuse et efficace au service de tous les habitants de Gradignan. Bon, monsieur le maire, ma tâche est terminée. Je vous rends la parole. Pas tout à fait, monsieur le président de séance. Pourquoi ? Je souhaiterais remercier chacune et chacun, mesdames, messieurs, mes chers collègues, chère Karine, au nom de l'ensemble des conseillers municipaux. Je vous remercie de ces propos très amicaux qui reflètent les valeurs qui nous unissent et
notre volonté partagée de faire au mieux ce que nous ferons durant cette mandature. Je vous remercie donc très chaleureusement pour la confiance que vous venez de m'accorder en me confiant la charge de maire de la ville de Gradignan pour la mandature 2020-2026. Cette confiance de la majorité municipale m'honore et m'oblige à votre égard, à l'égard de tous les élus de la majorité et de la minorité, à l'égard des habitants qui ont placé leur confiance en nous et qui attendent légitimement que nos engagements soient honorés et le moment venu évalués. Je mesure encore une fois la valeur de votre confiance, la charge qu'elle représente et l'exigence morale qu'elle produit, à la fois pour mettre en œuvre notre programme, mais aussi pour garantir une posture de gouvernance locale responsable, impartiale et engagée pour le seul bénéfice de la ville et de ses habitants. S'il existe une formule consacrée, vous en conviendrez, je serai le maire de tous les habitants. Je la reprends volontiers à mon compte, non par conformisme ou facilité de langage, mais plutôt par conviction et par l'expérience acquise qui a façonné cet exercice propre à Gradignan que nous avons exercé ensemble. Je veux parler donc de ce que nous avons construit et qui prévaudra dans cette mandature et j'espère bien au-delà. L'ouverture à tous, le droit fait à chacun d'accéder aux services qui lui sont dus, l'exigence de distance vis-à-vis des enjeux des partis politiques, la défense des intérêts de Gradignan au sein d'une métropole dont nous partageons les ambitions de haute qualité de vie, sans pour autant qu'elle nivelle ou atténue les singularités locales dont nous sommes légitimement fiers. Je vous remercie donc, mes chers collègues de la majorité, et vous encourage dans les chantiers que nous avons à conduire. Je vous encourage à ressentir avec moi une grande fierté pour notre ville, une grande fierté pour la fonction que vous occupez, une authentique gratitude pour l'honneur qui vous est fait, qui nous est fait, de conduire les affaires communales, une solidarité de tous les instants pour promouvoir des projets qui ont du sens et cimentent les relations avec les habitants, une persévérance dans l'action, une obstination même pour ne jamais rien lâcher face à l'adversité dès lors que l'intérêt de la ville est en jeu. La minorité municipale ne m'a pas accordé sa confiance. Je le comprends bien évidemment, c'est dans sa logique, la logique des différences de projet, des divergences même sur l'analyse de la ville et de ses besoins pour l'avenir. Pour autant, vous représentez une partie de la population locale et à ce titre, vous porterez ce qui vous tient à cœur. Je souhaite, j'espère et je pense même que nous aurons pour ambition de travailler ensemble pour notre ville en garantissant le socle de toute coopération. Le respect, la tolérance et l'écoute, ce qui n'exclura ni les différences, ni même, nous pouvons y compter, les passions dans la manière de les exprimer. Permettez-moi, et je ne voudrais pas être trop long, mais de rappeler les ambitions et les actions que nous allons conduire durant cette mandature lorsque tous les actes d'installation seront réalisés et le budget voté très prochainement. Nous engagerons sans tarder un ambitieux programme de régénération naturelle de nos parcs et espaces publics, de replantation intégrée dans tous les quartiers, de protection et de valorisation de la biodiversité avec un soin tout particulier à la colonne vertébrale, verte et bleue, de l'eau bourde. Rapidement, la plantation des 3000 arbres annoncés et l'acquisition des 30 hectares d'espaces naturels annoncés seront programmés. Nous engagerons résolument le projet urbain du centre-ville, après enquête publique et une large concertation avec les habitants, au travers d'ateliers d'urbanisme et d'architecture, en garantissant le respect des équilibres urbains et environnementaux. Ce sera un habitat de qualité, intégré et adossé à la nature, pour conforter le centre-ville, lui donner une modernité et une diversité de services, au cœur d'un laboratoire de transition énergétique, pour préfigurer la ville de demain. Celle-ci devra être vivable, respirable, respectueuse de l'humain, capable d'absorber les chocs sanitaires et sociaux dont l'actualité en cours nous permet d'en apprécier la pertinence. Ce seront des mobilités plus efficientes, plus propres, plus adaptées au rythme de vie et plus douces pour la qualité de vie. Réseau de mobilité repensé, branche tram de la ligne B, nouvelle ligne CHU Malartic, plan vélo et aménagement urbain en seront l'ossature. La santé sera au cœur des préoccupations d'amélioration du bâti, des pratiques agricoles avec l'installation d'une ferme maraîchère en bio
méthode culturelle déjà en œuvre au Château Poumeil, en prolongement des avancées remarquées pour la santé de nos enfants dans les crèches et maintenant dans les écoles. L'équilibre des quartiers pour un aménagement du territoire communal au plus près des habitants guidera les choix d'équipement et d'occupation des sols. Cette occupation des sols n'évoluera que très faiblement pour conserver les typologies d'habitats existants. Nous n'oublions pas que la loi nous oblige à accroître l'offre de logements, mais celle-ci se fera très progressivement et de manière très localisée. Il n'y aura pas de bouleversement de quartier, nous l'avons annoncé et nous le ferons, mais au contraire un enrichissement des services de proximité. La vie économique et commerciale, le soutien à l'insertion professionnelle au château de l'Ermitage, le soutien à la vie étudiante et universitaire, la stimulation de la vie associative, sportive, sociale, culturelle et patrimoniale, avec de nouvelles pratiques, de nouvelles infrastructures. Nous verrons prochainement les rénovations du château d'Ornon, du centre La Prairie, du mur d'escalade, de la poterie, du nouveau conservatoire de musique, de kayak pour poursuivre, de la tour Chape, etc. Tous ces projets dynamiseront le lien social. Les services de proximité, avec les deux groupes scolaires du centre et du sud, dont les chantiers commenceront en 2021, la revitalisation du pôle commercial de Balartic et la rénovation du groupe scolaire du même nom, de même que la consultation des habitants qui prennent appui sur les élus référents de quartier, seront au centre de notre engagement pour ancrer la vie sociale et familiale dans des lieux qui ont du sens et permettent à chacun d'accéder facilement à tout. Sécurité et liberté, des mots et des valeurs surtout qui nous sont chers. Nous nous engageons et nous engagerons à ne rien céder face à des modes de vie qui ne seraient pas respectueux du bien public et du respect d'autrui. La police municipale, la vidéoprotection et les dispositifs de prévention et de médiation seront nos outils. L'action sociale bienveillante et efficace pour soutenir les ménages et les parents, ainsi que la réduction de la fracture numérique dans les 10 points d'accueil numérique, seront fortement développées. Bien évidemment, il nous faudra gérer sobrement, en conciliant ambition et moyens des ambitions. Et de ce point de vue, la coordination avec la métropole et sa dimension stratégique sera très importante pour mener à bien tous ces chantiers. Gradignan est une ville métropolitaine forte et stable. Elle rayonne au cœur d'un territoire universitaire d'exception et d'un secteur de développement économique, Bordeaux InnoCampus, appelé à devenir un pôle majeur d'attractivité et d'emploi. La place de la vie universitaire, des grandes écoles et laboratoires de recherche, des pôles de santé publique hospitalière à proximité et de nombreuses activités productives et de services et de PME-PMI innovantes donnent à notre territoire communal une valeur ajoutée. Ce sera notre rôle de conforter cette place, d'appuyer la vie étudiante, l'installation d'entreprises et le développement de l'emploi local. Les mobilités au service de ce développement seront au cœur de nos travaux. Mes chers collègues, en concluant cette intervention, je voudrais vous redire que nous sommes face à des réalisations importantes à court terme, certes, mais des enjeux que nous allons porter sur le long terme. C'est donc à une vision forte que nous sommes appelés pour préparer la ville aux besoins des générations à venir. C'est une perspective exaltante, c'est une perspective estimable, c'est une perspective de responsabilité que nous abordons avec conviction, vous l'avez dit, chère Karine, et avec précaution pour ne pas décevoir celles et ceux qui nous font confiance. Je conclurai, et ce n'est pas mon habitude, par l'évocation des sentiments qui m'animent à cet instant. Je me sens très honoré, fier de la mission que vous me confiez, empreint de gratitude et de mesure et de précaution tout à la fois. La charge est lourde, mais je la partage avec vous, avec l'équipe que nous formons. Et surtout, elle est allégée par les encouragements de la population, le sourire des hommes et des femmes qui aiment notre ville comme nous l'aimons et qui aiment la vie qui va avec. J'accueille cette nouvelle investiture avec la même envie, le même désir de bien faire et la même passion pour Gradignan. Alors cette fois-ci, je conclue vraiment en vous disant, mes chers collègues, maintenant, au travail. Je vous remercie. Et ça fait 2 mois et demi que nous attendons. Donc, il n'y a plus de temps à perdre.
Merci de votre amitié, merci de votre confiance. Merci, Monsieur le Président de séance, de m'avoir accompagné jusqu'à cet instant. Maintenant, on travaille. Voilà. Donc, je reprends la présidence, c'est ça. Merci. Je vous demande d'applaudir notre doyen, Monsieur Ricardo González. Je vous propose maintenant de passer à l'examen des questions portées à l'ordre du jour, avec une première délibération sur la création des postes d'adjoints. Mesdames, Messieurs, l'article L21-22-2 du Code général des collectivités territoriales précise que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. En conséquence, je vous propose d'user de la faculté qui nous est donnée par cet article et de créer ainsi 10 postes d'adjoints. Je mets cette délibération au vote, sauf si quelqu'un souhaite intervenir. Je le dis à l'intention des nouveaux élus, de la majorité et de la minorité. Bien évidemment, la présentation d'une délibération donne la possibilité d'une prise de parole. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? À défaut, donc, je mets cette délibération au vote pour la création de 10 postes d'adjoints. Nous votons, s'il vous plaît. La majorité, la minorité vote ou s'abstient? Vous votez, unanimité, pour la création des postes d'adjoints. Madame Destriot également? Oui, merci. Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Deuxième délibération, élection des adjoints. Mesdames, Messieurs, par la précédente délibération, nous venons de fixer le nombre des adjoints au maire à 10. Aussi, je vous propose que le conseil municipal procède à l'élection des adjoints, à savoir au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Une seule liste s'est présentée. Je vous propose donc les candidatures suivantes. Liste des 10 adjoints. Jean-Bernard Latour, adjoint à l'économie, emploi et ressources humaines, premier adjoint. Sana Soukari, adjointe à l'action culturelle au patrimoine. Fabien Lécuyer, adjoint aux finances et aux marchés publics. Isabelle Jardry, adjointe aux activités sportives. Gérard Fabia, adjoint aux espaces publics et aux paysages naturels. Valérie Morin, adjointe aux activités scolaires et périscolaires et à la jeunesse. Ricardo González, adjoint aux solidarités, au handicap, à la participation. Christine Baudon, adjointe à l'administration générale et la tranquillité publique. Rémi Dacord, adjoint à la transition énergétique et à la ville durable. Stéphanie Ortola, adjointe à l'urbanisme et au cadre de vie et au déplacement. Je vous propose donc de voter cette délibération, sauf s'il y avait une prise de parole demandée. Si ce n'est pas le cas, nous allons procéder au vote dans les conditions similaires. Donc, Monsieur le Directeur Général des Services, assisté de Madame Agnès, va se présenter à vous.
Il y a le doyen et la plus jeune qui vont dépouiller. Allez, au travail. Je sais pas voter. Tu as voté, toi? Oui. Tu as voté, tu as prendre des photos. Attends, il faut la feuille d'émargement. Voilà, tout le monde a émargé. 35 émargements. Vas-y, vas-y. Bon, profite-en, hein. Tu feras l'unanimité à chaque élection. Allez, Ricardo, accélère. Juste majorité. 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 Majorité. Juste 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 majorité. Liste 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 majorité. Blanc. Liste majorité. Liste majorité. Blanc. Blanc. Liste majorité. Liste majorité. Trois votes blancs, 32 votes exprimés. Yeah, et le quatrième vote. Il n'y a que 3 blancs et 32 majorités. Apparemment, quelqu'un s'est trompé. Ou c'est un choix, je ne sais pas. C'est donc 35, 32, c'est ça. 35, 3 blancs, 32. Ouais. Et lise la majorité, 32. Oui, tout à fait.
Bien, mesdames, messieurs, donc le dépouillement vient d'avoir lieu. Nous avons constaté que 35 conseillers ont pris part au vote. 35 bulletins ont été trouvés dans l'urne, 35 émargements. Il y a eu 3 votes blancs et 32 votes en faveur de la liste de la majorité qui a été présentée. Donc la majorité absolue étant à 18, la liste de la majorité a obtenu 32 voix sur 35. En conséquence, sont élus adjoints au maire Jean-Bernard Latour, Sana Soukari, Fabien Lécuyer, Isabelle Jardry, Gérard Fabia, Valérie Morin, Ricardo Gonzalez, Christine Baudon, Rémi Dacor, Stéphanie Ortola, avec les délégations que j'ai énoncées dans le texte de la délibération. Chers collègues, je vous félicite pour votre élection. Toutes mes félicitations, toutes nos félicitations et toutes mes félicitations pour les 32 voix que vous avez obtenues. Mais j'éprouve même un peu de jalousie à ne pas avoir eu cette 32e voix, ce qui montre que la progression est toujours possible. Je salue votre exceptionnelle représentativité, votre sens de la persuasion pour avoir amené une voix supplémentaire sur votre nom. En tous les cas, je renouvelle ma gratitude à votre égard. Je vous félicite et je suis sûr qu'avec l'ensemble des conseillers ici, nous ferons un excellent travail. Bravo. Nous allons maintenant passer à la délibération suivante, la création des postes de conseillers délégués. Nous venons donc de procéder à l'élection des adjoints au maire. Je vous ai indiqué leur délégation qu'ils exerceront comme vice-président des commissions municipales. Certaines compétences n'ont pas pu être rattachées à ces délégations, soit à raison de leur importance, soit compte tenu de leur spécificité. Il me paraît indispensable de créer des postes de conseillers municipaux délégués pour prendre en charge 6 domaines suivants: les mobilités douces et le plan vélo, la petite enfance et la santé environnementale, la jeunesse, les seniors, l'animation de la ville et enfin l'université, la vie étudiante et les jumelages. C'est pourquoi je demande au conseil municipal de se prononcer sur la création de 6 postes de conseillers municipaux délégués. S'il n'y a pas de prise de parole, je propose de voter cette délibération. Nous votons pour la création de 6 postes à main levée toujours de conseillers municipaux délégués à l'unanimité. Je vous en remercie. Et nous allons procéder maintenant dans les mêmes conditions. Je vous rassure, c'est la dernière procédure d'élection pour cette soirée. Nous allons procéder donc à l'élection des conseillers municipaux délégués. Et je vous propose la liste suivante de la majorité. Nicolas Lemarchand, conseiller municipal délégué aux mobilités douces et au plan vélo. Annie Burbeau, conseillère municipale déléguée en charge de la petite enfance et de la santé environnementale. Franck Bonadéi, conseiller municipal délégué à la jeunesse. Josiane Degère, conseillère municipale déléguée aux seniors. Ludovic Bourdon, conseiller municipal délégué à l'animation de la ville. Claire Rivinck, conseillère municipale déléguée à l'université, la vie étudiante et les jumelages. Je vous propose maintenant, je vous invite à procéder au vote à scrutin secret pour désigner nos conseillers municipaux délégués. Voilà, si vous voulez bien remettre le matériel de vote à chacune et chacun, merci.
Mes chers collègues, donc à l'issue du dépouillement, ont été constatés 35 bulletins dans l'urne, donc 35 votants. Le dépouillement a donné le résultat suivant. 4 votes blancs, donc 31 suffrages exprimés pour la liste majoritaire. Sont donc élus conseillers municipaux délégués, M. Nicolas Lemarchand, Mme Annie Burbeau, M. Franck Bonadéi, Mme Josiane Degère, M. Ludovic Bourdon, Mme Claire Rivinc. Toutes nos félicitations aux conseillers municipaux délégués. Mes chers collègues, je vous félicite et je suis heureux que nous puissions nous mettre au travail, toute cette belle équipe réunie au service du projet municipal de Gradignan. Il me faut maintenant vous donner lecture de la charte de l'élu local, charte que vous avez reçue avec les documents relatifs à cette soirée d'installation. Je vous en donne lecture, elle comporte 7 principes. Tout d'abord, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxièmement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à la disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voici la charte de l'élu local qui nous engage toutes et tous. Il est important que nous en ayons connaissance et que nous en fassions une lecture commune. Mesdames, Messieurs, chers collègues, cette réunion d'installation du Conseil municipal arrive à sa fin. Avant de lever la séance, je voudrais remercier les internautes qui ont suivi ce conseil municipal en direct et celles et ceux, habitants ou fidèles de Gradignan, jeunes ou moins jeunes, qu'ils regarderont en vidéo selon le moment le plus adapté pour eux. C'est un plaisir d'avoir partagé avec vous, internautes, cette séance du conseil municipal. Les conditions n'étaient pas propices à avoir un large rassemblement ce soir. Même dans un cadre aussi majestueux et aéré, mais en fonction des disponibilités des uns et des autres, vous pourrez visionner à loisir cette séance, qui est un acte important évidemment pour la gouvernance locale et qui nous engage toutes et tous pour les 6 ans à venir. Je voudrais remercier l'ensemble des conseillers municipaux présents ce soir, féliciter chacune et chacun pour son élection, féliciter ceux qui accèdent aux responsabilités d'adjoint de conseillers municipaux délégués et au-delà, bien sûr, chaque conseiller municipal appelé à prendre ses responsabilités autour de la table du vote et ce soir sur les tables d'écoliers qui ont été mises à notre disposition. C'est dire si l'ambiance a été studieuse et elle le sera tout au long de cette mandature. Cet acte symbolique d'installation, au-delà d'aspects bien sûr administratifs et surtout en temps fort, qui ouvre une perspective pour 6 ans. 6 ans, c'est long, c'est court également pour la conduite des projets. Vous le savez, les plus anciens qui êtes à mes côtés depuis de nombreuses années déjà, et pour les nouveaux élus, eh bien, vous découvrirez non seulement le fonctionnement de cette assemblée, mais aussi la responsabilité et l'honneur qui nous est fait
de pouvoir répondre à la population de la confiance qui nous a été accordée. Avant de lever la séance, je voudrais demander aux membres du bureau de rester en place pour la signature des PV d'élection du maire et des adjoints. Donc, monsieur le président de séance, madame la secrétaire, je voudrais vous informer des dates des prochains conseils municipaux, sauf cas de force majeure, notamment pour la mise en place du conseil de Bordeaux Métropole, mais sauf cas de force majeure, nous nous retrouverons plusieurs lundis pour prendre les décisions d'ouverture de mandature. Le lundi 8 juin à 18h30, le lundi 29 juin à 18h30 et le lundi 20 juillet à 18h30. Ces séances auront lieu dans les foyers du Théâtre des Quatre Saisons. La salle du conseil municipal pourrait nous accueillir, mais les règles de distanciation nous priveraient d'avoir un bureau pour pouvoir travailler, avoir nos documents à écrire. Donc nous allons trouver un cadre plus aéré, plus adapté. Ce sera les foyers du Théâtre des Quatre Saisons qui seront mobilisés pour ces trois réunions, 8 juin, 29 juin et 20 juillet. C'était une première ici. La question m'a été posée tout à l'heure. Est-ce que ça va se reproduire ? Nous n'en savons rien en réalité. C'est un symbole important.